Salut les amis, c'est Jelly et on se retrouve sur un nouveau jeu d'horreur indépendant. On se retrouve avec Crash Bandicoot. Je sais pas si vous connaissez la lignée, la série des .exe, mais en fait c'est des jeux d'horreur. Et le principe, c'est de reprendre des jeux connus, anciens, plus ou moins, comme par exemple Sonic, Mario, des trucs comme ça. Et en fait, c'est complètement détourné en jeu d'horreur, avec des bugs, des screamers de partout. Et donc là, je vais m'attaquer à Crash Bandicoot. Rip vos oreilles, hein, d'avance. Alors, click to start. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Est-ce que ça joue avec le clavier? Ouais, ça se joue avec le clavier. Ah, mais c'est en... Je vais le mettre en QWERTY, voilà. Ah, voilà, faut sauter. Yeah. Ouais. C'était tellement bien, les Crash Bandicoot. Putain, ça va violer mon enfance, ce jeu. Essayez... Ne pas flipper. Je le sens mal. S'il vous plaît. Oh sa mère. Play mort, je vais mourir. Ah, faut avancer, d'accord. What the fuck? C'est le même. C'est juste... What? C'est juste qu'on va à l'envers, là. C'est bizarre. Hein? Je le sens tellement mal. Il va me tuer. Il va se retourner... Even you do not repent. Il est de plus en plus au ralenti. Trop bizarre. Oh merde. I see you every night. Oh la flip. Oh merde, je peux pas, je peux rien faire. Je suis mort. You get my crystal. No, I'll take you. Tu as pris mes cristals, maintenant je vais te prendre. Vas-y, fais ton screamer. D'accord. Merci pour avoir joué. Maintenant, tu peux retrouver... Hein? Can find you for... Tu peux te retrouver pour jouer. Ok, c'est quand que tu t'arrêtes. Arrête! On a compris. Donc voilà, on l'éteint. Bon, à ce qui paraît, les amis, c'est tout ce qu'il y a sur ce jeu. Donc du coup, je vais m'empresser de le supprimer parce que j'ai pas envie de garder ça. Et comme c'était très très court, j'en ai téléchargé un autre qui s'appelle Pokémon Death Version. C'est un peu le même style que les .exe, mais avec Pokémon. Et bah, on va le tester. Together. Merci. Ok, d'accord, je n'aime pas les screamers comme ça, donc on va arrêter, s'il vous plaît. Oula, c'était quoi ce message subliminal de Pikachu mort? Ok, d'accord, donc la musique est à l'envers. La musique est à l'envers, le texte est à l'envers. Et on peut rien faire, du coup il va en screamer. Allez, viens, viens, je t'attends, screamer. Ah si. Bon, je vais tout passer, hein. Pika! Ouais... Alors, they want you.
Ils te veulent. Hein? Name. Ah, c'est mon nom. Want. They. You. Donc là, c'est le rival, normalement. Il va s'appeler Zay. On... Oh, la flip. C'était quoi, cette image? Oh, la flip. Putain, la musique ultra glauque. Je suis désolé, hein, mais j'assume pas pour mon son. Maman, eh, la mère, je parie, la mère, elle va nous tuer. Elle va arriver, elle va nous assassiner. On va se faire violer dans la ville, là. On va aller direct à l'aventure, est-ce qu'on peut... Là, le Pokémon, il va nous... Ok, that was close. Non, il s'appelle Wok. Ah, je sais que c'est close. Bon, ça avance pas. Ah, si. Ouais, Pokémon live in tour. Ok, d'accord. Ça va être le... Ça va être le combat le plus glauque de toute la Terre entière, je crois. Ça va me niquer aussi mon enfance. Professeur... Ah, il nous montre, d'accord, voilà, c'était ouais, comme les Pokémon, il nous montre comment attraper. Là, il va se retourner, il va faire un gros screamer, c'est ça? Ouais, c'est ça. Maman. Ok. Donc, que nous arrive-t-il? Donc, le... Je n'aime pas ça. Je n'aime vraiment pas ça. Parce que les trucs comme ça, ça me met très très mal. Et je suis pas du tout à l'aise. Oh là, tout ce qui est message subliminal, screamer comme ça, vraiment angoissant et vraiment choquant, quoi. C'est... Waouh. Est-ce que je vais à l'infini? Il va y avoir le screamer, je le sais, je le sais. Je le sais, je le sais. Alors encore, les jeux d'horreur de base... ça passe, je flippe, mais j'adore ça. Ça, vraiment, j'aime pas. C'est vraiment le genre de truc... En fait, j'aime pas. J'aime bien regarder... Ok. Et, d'accord, mes petits amis. On va s'arrêter ici, parce que les deux jeux que je viens de tester, bah, y a pas de suite, quoi. Ça s'arrête vraiment à la fin, comparé à d'autres jeux.exe qui, souvent, même si le jeu s'arrête, ça installe un autre dossier, puis au bout d'un moment, ça se réactive, il y a plein de trucs. Là, c'est vraiment rien. J'ai testé deux fois les deux. J'ai regardé sur YouTube, il y a vraiment rien. Rien de chez rien. Bon, on va s'arrêter ici. J'espère que ça vous a fait marrer, quand même, de me voir flipper à mort. Donc, je sais pas si j'en referai. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si vous en voulez davantage. N'hésitez pas à commenter, à aimer, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et puis sur ce, ciao les petits amis! If you gave me a chance, I would take it. It's a shot in the dark, but I'll make it.